Yesu Ona kota kuna namboka lola Ona kota nana kolo Yesu Épargne le péché. Et comme il bombe ma soumou, c'est l'enseignement du diable. L'enseignement doit frapper le péché. Doit frapper le mauvais enseignement. Doit frapper le faux prédicateur. Et ne parle rien. Et combattre la terre. C'est tout cela. C'est le diable qui est la source de toutes ces choses. Est-ce que vous attendez? Mais pourquoi? Avant la bataille d'Armageddon, il y a les esprits de grenouilles. Écrivez s'il vous plaît. Un roi. Chapitre 22, verset 22. Un roi, chapitre 22, verset 22, il est écrit ceci, on gagne du temps. Un jour, Dieu est assis sur son trône. En tout cas, moi j'aime que le prophète, avant de parler, qu'il retourne sur le trône. C'est ça, c'est le prophète qui révèle, il dit Dieu est assis sur son trône. Il a posé la question: qui me séduira à Kab? Un esprit est sorti. Il a dit: je serai l'esprit de mensonge. Donc avant la guerre, avant la destruction d'Akab, il y a l'esprit qui s'est levé. Il est entré dans les faux prophètes. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout celui qui est prêché par les erreurs, l'esprit des mensonges, c'est pour votre destruction. Parce que l'esprit de l'erreur, l'esprit des mensonges, est entré parmi les prophètes. Les prophètes ont commencé à prêcher les mensonges. Mais au nom de l'Éternel, je veux que le Seigneur suscite aujourd'hui le véritable enfant de Dieu qui ne sont pas séduits parce qu'on a prophétisé, qui ne sont pas séduits parce que les prophètes ont parlé, mais qui retiennent la parole telle qu'elle a été prêchée. J'ai toujours dit, la femme samaritaine, moi je l'aime. Devant Jésus, Jésus a prophétisé. Tu avais saint. C'est lui que tu as maintenant. Elle n'a pas déposé sa cruche. Elle gardait toujours sa cruche. Elle avait toujours ses enseignements. Il dit, ah, toi tu n'es pas plus que Jacob. Jacob, Jacob c'est notre pasteur. Jacob, l'enseignement qu'il nous a donné, il a qui c'est ce que moi j'ai. Il n'a pas déposé facilement. A qui ça qui n'a pas été. Mais quand Jésus a montré le lieu d'adoration, elle a compris que ça, ce n'est pas la fausse prophétie. Je vous dis vrai. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous les faux prédicateurs, animés par les esprits mauvais, ce sont des grenouilles. Le diable a combattu hier. Yeah. C'est que tu es conscient que babouka passe ma bezali. Bon, moi si Andumba a rolinate, ba me mai pas sacrificateur. Pour sacrificateur. Ayebi que moi c'est Andumba sera allé à Pangusara Monoko. Il est très difficile de faire ça, moi c'est Andumba. Voilà. Pour le Kanaba Mirignon, ce monde a un ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ, nani moi c'est Andumba, zate, wana ko Pangusara Monoko. Mais pas un sacrificateur à toi, Pangusara Monoko. Aozoa Mabele. Na Mabele a Pessio, Omela, Liboume, Ovimba. Donc vous n'allez pas supporter la vraie parole. Moko, koki o Kangamote, matena il l'obat solo. Raison pour laquelle nous disons. Yamodi na tozali koloba. Ces gens-ci, Batouana, au service du diable, le rassemblement se fait aujourd'hui et se fera demain. Je dois avancer vite. Écrivez. Comment? Troisième point. Litono ya misato. Le déroulement de la bataille d'Armageddon.
J'ai terminé les préparatifs. Oh là là, le temps est déjà parti, je dois courir vite. Le déroulement de la bataille d'Armageddon. Bataille d'Armageddon se fera comment? Apocalypse chapitre 19. Verset 11 jusqu'au 13e. Virgile, écrivez. Apocalypse 19, 11, 13. Virgile. Verset 19, 20. Apocalypse chapitre 19 verset 11 13 virgule 19 20. Vous ajoutez Obakisi. Deuxième Thessaloniciens chapitre 2. Okanami balé à Thessalonique mon capoyami balé. Vous commencez par le verset 9 jusqu'à 12e. Obani kobana molongo alibwa kino ya 10 na mibale. Deuxième Thessaloniciens 2 9 11. Vous ajoutez Obakisi. Daniel chapitre 2 verset 44 à 45. Daniel mokapami balé mokanda mokapo ya 14:15. Et je vous en prie de me suivre ici avec beaucoup d'attention. Pena bonde lio la nanga malamu na likebi. Comment va se dérouler la bataille d'Armageddon? Lolenge kani etumbo ekosalema. Dans l'Apocalypse chapitre 19 verset 11 jusqu'à 13e verset, vous allez voir ceci. Na mokane moni selikuna ekomami boye. Le prophète Jean dit. Mosakoli wana alobi. Je vous en prie de me suivre. Nazo bonde la bolanda. J'ai vu le ciel ouvert. Na moni likolo kofungwama. Paris un cheval blanc. Pe kobima punda ya pembe. Celui qui le montait. Oya bataki likolo na yango. S'appelle Abengami fidèle. Sembo. Juste. Véritable. Azaya solo. Dans sa bouche. Na monoko na ye. Sortait une paix à double tranchant. Ezalaki kobima mopanga oza na mino ngamo na ngamo. Pour frapper les habitants de la terre. Bona kobeta bavandi ya mabele. Il voit dans le ciel. Amoni na likolo. Le ciel est ouvert. Likolo efungwami. Par un cheval blanc. Pe punda moko ya pembe abimi kuna. Il y a quelqu'un qui le montait. Bongo ezaki na moto moko mataki likolo. Oui, ça c'est la vision. Oyena ezaki emoni seri ya monaki. Il ne s'arrête pas là-bas, il dit. Ce qui va les armées qui sont dans les cieux les suivent. Ça, il voit le ciel. Mais remarquez, Tala. Dans le verset 19, il dit. Na molongo azomina libo alobi. J'ai vu le roi de la terre. Na moni pe makonzi ya mokili. Et leurs armées. Pe mapinga na bango. Rassemblés. Basangani. C'était dans la bataille d'Armageddon. Ni kolobete na etumba Armageddon. Nous avons deux choses. Toza na biloko mibale. Il y a la vision du ciel. Eza na moni seli na lola. Il y a la vision de la terre. Eza pe na moni seli ya mabele. C'est comme Exode chapitre 17. Eza lokola mokana ya bobimi mokapo ya zomina sambo. Quand Amalek est venu combattre Israël. Moïse monte sur la montagne. Et Josué descend sur la terre. Dans les combats, c'est fait dans les deux domaines. Il y a les domaines spirituels. Et il y a les domaines terrestres. Donc, Armageddon. C'est une bataille spirituelle. Mais qui a des conséquences physiques. Ange Michael Kotoyo. Ange Gabriel Kotoyo. Satan Abimimo. Non. Mais ça va se faire comment? Le prophète Jean voit le ciel ouvert. Christ qui descend. Yesu azo kita. Cela veut dire la Christ, kwana Christ ne descend plus pour sauver la terre. Mais il descend pour combattre. Parce qu'il n'a plus la femme sur la terre. Est-ce qu'on me comprend, Seigneur? Maintenant, quand Christ descend, cela veut dire quoi? Il n'y a plus le festin du ciel. Festin de noces s'achève. L'épouse s'est identifiée à son mari.
mwasi ami kokisi na mobali na ye le roi l'a partagé na mutu moko yebisi na feste de non c'est ça malama bele na obi tika lokuta frère Paul dit je vous ai fiancé pour vous présenter comme une vierge Paul alobi na bandisa kibino pona kangisa bino na libala na mobali sekoko non frère Paul ne présente pas l'église dans le règne millénaire mais il présente l'église dans l'enlèvement parce que Paul ça sera la fête de fiançailles teka ya c'est là que Rebecca va rencontrer Isaac. C'est ça l'enlèvement. Et après l'enlèvement, c'est alors que Christ va descendre. Est-ce qu'on me comprend très bien? Donc quand Christ descend, Christ akokita, sur la terre, le monde était déjà rassemblé. Mokire se sanganaki. Naebisabino eloko moko ya mokuse. Soko tali na ba information omona ba peignons ba osala ba minduki pona li. Ba conditions ba yeba ke tumba moko ezale. Voilà. Bazomi bongisa. Bazomi bongisa. Bazomi bongisa. Mais enfin, ah, balingatote ya crocodile te. Pour nzamba solo babi, hein, pasteur Joseph tikala lo balingala. Job yo yo bingando. Tikala lo balali kolo ya kitoko ya ngando. C'est nzamba zote ya ngando ya kela. Abitango ngando yaka bana basi. Moi ba sakana na eli suezate. Est-ce que you okoki ko sala commerce na poso ya ngando? Mais tango bazo zelaye ba soda ba arme ba tele poso ya ngando eza enfin potango oya arobanga te mazo silisa makasi na bango ngando aseka ka faire aseka. Est-ce que oyebi pourquoi Daniel alobaki ke na makolo ya stati ya fait le fer mais liboso ya libanga faire eza lo côté po ngando tango azoya akoseka faire. Je veux dire ceci. Nanina lo baboy. Armageddon va se dérouler comment? Armageddon est kosale mandenge nini? Christ descend. Christ ya kokita. Quand Christ va descendre, tango Christ aza kokita, il va trouver les nations de la terre rassemblées. Akokuta bikolo ya mokili nyoso biyangani. Les nations de la terre ne sont pas spirituelles. Bikolo ya mokili eza ya molimote. Parce que le monde tel qu'il va là-bas, c'est pour s'unir plus davantage. Et l'Antichrist rassemblera tout. Il va établir son royaume sur la terre. Et maintenant, quand Christ reviendra, il va trouver les nations rassemblées. Parce que les grenouilles ont fait leur travail. Ils ont rassemblé tout. Et le texte dit les 10 cornes ont donné leur pouvoir à la bête. Ce sont des langages seulement pour dire que oh, bah, Saddam, bazo kouya, Batunyans, bazo kouya, royaume islamique, bazo kouya. J'ai dit la prophétie s'accomplit parce que la bête ne peut pas dominer sur la tikinga, momoro ya ba opposant. Il faut na ba musulman, na Batunyans, ba sangala pour que la prophétie biblique s'accomplisse. Bon, il dit sa collègue, qui s'abo. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Kakola pambola bino. Que le Seigneur vous bénisse. Kakola pambola bino. Et je vous dis vrai. Ben, aïe, si bino solo. Quand Christ va descendre. Ben, ou Christ akokita. Qu'est-ce qui se fera? Nini ko salema. Deuxième Thessalonicien. Là, je vais lire. Kuna na kotanga, pokana mi baleba Thessalonique. Là, j'aimerais lire ça. Kuna na kosepela na tanga yango. Deuxième Thessalonicien. Pokana ba Thessalonique ya mi bale. Chapitre 2. Mokapo ya mi bale. Comment Armageddon va se dérouler? Lolenge kani Armageddon ekosalema. Deuxième Thessalonicien, chapitre 2. Nous commençons par le verset 7. Et 8e. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie
Et le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc Jésus-Christ. Yesu Christo ne viendra plus comme ça combattre avec Satan. Akoya lisubo ete po abunda na Satan. Satan a tellement mis une écotoy. Non. Il a déjà vaincu à la croix. Asi alonga kine kulusu. Mais ce qu'il fera? Eloka kosala kuna. Il respecte sa propre parole. Akoto sabeli lobana ye. Donc ici, awa, il viendra anéantir. Akoya nde po akunyata. Est-ce qu'on me comprend bien? Otosu solanga malamu. On me comprend bien? Otosu kala malamu. Ça se fera comment? Ekosale mandenge ni. Apocalypse chapitre 19, retournons là. Non, Jésus a déjà vaincu à la croix de Golgotha. Est-ce qu'on me comprend bien? Est-ce que tout le monde comprend bien ce que je dis? Ça va se faire comment? Apocalypse chapitre 19. On lit beaucoup parce que c'est la prophétie. Rapidement, je commence par le verset 19, s'il vous plaît. Je vis la bête, le roi de la terre, et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. La bête fut prise. Avec elle, le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et son nom a été minimo ya mbido nyoso basala ya basakole ya lokutao basala ki milembo na mokilipe basala ki batuba gumba mela nyama pe lili na ye. Ils firent tous les deux jeter vivants dans l'état ardent de feu et de soufre. Bango baso mi bale babwa kama ki na libeke na moto esika kodike zalaki. Cela veut dire quoi? Yangoni ikolo banini? Dans la bataille d'Armageddon. Na etumba na Armageddon. Christ descend. Christ ya kokita. Comme la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Lokola libanga oye longwa ki la kozanga lisungi ya loboko ya moto. Il trouvera les nations rassemblées. Yakokuta batabikolo basangana. Ce n'est pas pour rien, Jean. Ya eza pamba te Yohane. Il voit la bête dans le sens inverse. Amona ki nyama na lolenge ya kobaluka. Vérifiez ça bien. Talango malabu. Daniel a vu. Daniel amona ki lion. Kosi liboso. Après le lion, Nasima Kosi, il voit ours. Amoni ingo. Après ours, Nasima naye, il voit le léopard. Amoni koi. Après le léopard, Nasima koi, il voit le monstre. Amoni nyama ya babe. Qui avait 10 cornes. Oya zaki na maseke zo. Mais le prophète Jean dans l'Apocalypse 13:2. Zoka Yohani na mokana emoni se na emoni se na amoni kuna. Voilà la vision qu'il voit. Tala emoni se la moni. Il dit je vis la bête. Amoni alobi na amoni nyama qui sortait de la mer. Oza iko bima na mai. Qui avait 10 cornes. Azagi na maseke zo. Lui commence à voir le quatrième. Abandi komona oya nyama ya mine. Semblable akokani a un léopard. Akokani na koi. Ses pattes comme le patte d'un ours ingo, et sa gueule pe monoko, comme la gueule d'un lion ya kosi. Dans le prophète Jean voit l'inverse de Daniel, amoni oyo, lolenge ya kobaluka ya Daniel amonaki. Parce que pambate, ici awa, dans la bataille d'Armageddon, na etumba Armageddon, la pierre libanga, va commencer à frapper la statue et kobanda kobeta tena moto ebandine na bakolo. Quand il frappe le pied, soki ebandine na makolo, il y a 10 orteils kuna misapi mizali zomi na makolo qui sont les 10 cornes oeza maseke zomi. Et alors toute la statue va s'écrouler. Oye eke komo bimba nango ekokwea na mabele botika na ebisabino na komo na Yesu Kristo. Motunyo so andimeli Yesu Kristo atamoni ba pass kule la mitungisa te parce que eliki ya moko ye longe za na kati ya mitema na biso. Donc Jésus est là. Yes, azakuna. Mais le royaume aussi. Be, bokonzi ya mokilipe. Des nations existent. Ezali. Mais quand il viendra. Be, tangu yako ya. Il va combattre ça. Akobundisa yango. Cela veut dire. Eniki koloba. Il donnera l'ordre. Akopesa ndingisa. Mais quand on dit que la bête. Be, tangu bazolo bete nyama. Et le faux prophète. Basa kola lokuta. Seront jetés dans les temps du feu. Cela veut dire. Bakobwa kama na libeke na moto yango eniki koloba nini. Le feu ici c'est la seconde mort. Moto o ezali kufa ya mibale. C'est seulement pour dire que. Ezaka pona ko yisa yete. Viendra, les royaumes des nations vont disparaître. Soulignez ça. ONU,
ONU, Union européenne, tout ce que vous voyez, Union africaine, va disparaître. Wada nyose kolimwa. Disparaître pourquoi? Ekolima pona nini? Parce qu'ils ont régné. Bamba te basi ba kontaka. Maintenant c'est le temps où Christ va prendre son royaume. Oye tango ne ko komande tango elekoyo Christ akozwa bokonzi na ye. Quand lui vient. Boye tango ya zali ko. Quand lui revient. Tango akozoka. Il va détruire toutes ces nations. Akobebi sa bokonzi nyoso wana. Yangona ebi sa ba na nzambe ba mitungisa te parce que bangonde ba ko régner na mokili oyo. Merci. Je vous dis que ce sont des choses vraies qui vont se faire. Amen. Raison pour laquelle? Yangotina. Armageddon. Armageddon. Voilà, voilà s'il vous plaît. Tala, tala. Ici, pouvoir, puissance des nations. Nguyato bompifu ya bikolo. Les nations s'écroulent. Yangonyo se kokwea. C'est que ma président, yaba Amérique, yaba Russie, bokondira bangonyo se zo souka la bataille d'Armageddon. Maintenant, parce que Lokola, il y a un esprit, Molimo moko ezali, le diable, Kadia Pemba, qui était l'origine de tout, oyazala ki, mosolo to liziba nyoso, lui sera jeté dans l'abîme. Ye bakobwa kaye na limot, na lubwaku. L'abîme, selon le frère Pierre, lubwaku kuna lokolanisa ma molite ya petelo, c'est la prison. Eza boloko. La prison, boloko. Dieu fera que le diable soit enchaîné pendant tout ce temps où se trouve l'église. L'église n'est plus sur la terre. L'église est glorifiée. L'église n'est plus sur la terre. Nous étions déjà là. Et à la fin du festin, il faudrait que l'église vienne assister parce que le frère Paul a dit, le diable qui sera écrasé sous vos pieds. Remarquez David, il est déjà roi. Mais il doit aller établir son royaume. Mais avant d'établir le royaume, il faut exterminer les ennemis. Alors c'est ça la bataille d'Armageddon qui doit mettre fin aux puissances des nations. Est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde m'a compris? Quand la bataille d'Armageddon s'est faite, écrivez 1. Comment? Écrivez 1. Comment? Apocalypse chapitre 20, verset 1. Là, je ne lis pas parce que le temps nous est déjà parti. Je dois arrêter. Apocalypse 21:2. Le diable sera lié pendant 1000 ans. Kadia Pemba bako kangaye na mibu kama koto koto 2 yami balé. La bête et le faux prophète, entre parenthèses, puissance des nations, nyama pe basakola lokuta tiango na kati ya mikoloto banguya ya mokili, seront exterminés bako nyata matoko sukisama. Cela veut dire que la fin de puissance des nations ngi kolobete wane kozala suka ya bokonzi ya bikolo. 3, il y aura la restauration finale de la maison d'Israël. Zacharie chapitre 12 verset 10. Vous faites virgule. Vous ajoutez 2e chronique chapitre 35. Verset 22 jusqu'au 25e. Cela veut dire quoi? Dans Megiddo, na Megiddo, je vous ai promis hier de parler sur la mort de Josias et la mort d'Akaz, mais le temps nous est déjà parti. Dans Megiddo, Akaz est détruit. Akaz kuna abebi sami. Na Megiddo, Josias. Josias, celui qui avait restauré le culte en Israël. Oyo azongi saki lo sambo ya solo na kati ya Israël. Il a aussi frappé. Yepe ba beti. Mais la différence est que kasi bokese nezaliete. Quand Akaz est mort. Tango Akaz a skufi. On n'a pas fait le deuil pour lui. Balela basaki ya matanga te.
Mais Josias, Zokane Josias, quand il est mort, kufi, on a composé des complètes pour Josias. Ba, salaki, ya na Josias. Et Israël a pleuré. Pays a lelaki. Dans Megiddo, vous avez la mort d'Akaz. Ozana kufa ya Akaz, l'homme du péché. Moto na mabe ya mbindo ya Megiddo, na kati ya Megiddo, vous avez aussi la mort de Josias. Oza pe na kufa ya Josias. Mais pour Josias, on fait le deuil. Zokane po na Josias, matanga ezali. Merci Seigneur parce que tout Israël va pleurer. Matondo po Israël nyoso bakolela. On pleure sur qui? Bakolela likolo ya nani? Sur Josias qui avait restauré le temple. Likolo ya Josias so ya zongisa kilo sambo na temple. Sur Josias qui avait restauré le culte. Oh, po na Josias so ya zongisa kilo sambo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Apambo la bino. Écrivez. Comment? Dernier point. Ditona ya suka. Juge chapitre 5. Verset 20 jusqu'au 22e verset. Dans Megiddo, na Megiddo, il y a aussi la victoire de Déborah. Alors, je vais rassembler tout. J'explique en un mot parce que demain, nous allons faire la parenthèse d'Armageddon et entrer dans le règne millénaire. Nous voulons dire quoi aujourd'hui? Quand Christ descend, tant que Christ aza kokita, le diable Kadian Pemba est démasqué, basiba monisie polele, le diable Kadian Pemba est jeté, babwakiye, il est jugé, asambi sami, c'est-à-dire emprisonné, batie na boloko. Mais Armageddon, kasi Armageddon ne détruit pas toute la population de la terre. Yango eko bebi sate batonyo soto bavandi ya mabele. Quand vous vérifiez dans l'Apocalypse 19:20, le texte dit qu'une autre partie des gens fut frappée. C'est pour dire que ce n'est pas toute la population de la terre qui sera frappée. Il y aura les autres personnes qui vont rester. Mais tu le crois? L'organisation des nations, Mayanga, puissance des nations n'existera plus. Maintenant, à ce temps-là, qu'est-ce qui se fera? Il faudrait que Israël soit restauré. Suivez-moi très bien. Quand Jésus-Christ est ressuscité, les apôtres lui ont posé la question. Est-ce dans cet temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il y a la promesse de la restauration, s'il vous plaît. Il faudrait que David récupère le trône. Osée chapitre 3, verset 1 jusqu'au 5e verset. Osée chapitre 3, mon capo ya. Vous resterez longtemps sans roi. Sans sacrifice. Sans effort. C'est le temps aujourd'hui de l'église. Mais après un certain temps, Israël reviendra. Israël a kozonga. Il cherchera encore son Dieu. Sans certain temps. Et son roi. Cela veut dire quoi? Ici, awa, quand les puissants des nations sont exterminés, il faudrait que Christ, Christ rétablisse le royaume d'Israël. Il va rétablir le royaume d'Israël comment? Quand il va exterminer la bête, le faux prophète, le diable lié Milan, alors Israël reconnaîtra dans la totalité de cet homme-ci, c'est celui-là qui était venu. Je vais préciser ça, ce n'est pas le ministère des deux témoins. Le ministère des deux témoins a été fait avant. Qui avait ramené les 144 000 membres? Et ces 144 000 membres étaient tués dans la grande tribulation. Mais tout Israël
Israël n'est pas tué, est-ce que tu as dit maintenant quand Christ descend, il extermine les nations. Au moment du verset, Israël va coller là. Le ministère a des témoins. C'est ici parce qu'il revient comme David. Il va entrer maintenant dans le règne. Paul. Paul a dit que le makambo ezali biliki na biso. Ata ba passe ezali tokoliki akaka parce que nzamba bongisa makambo ebele ya minene po na biso. Amen. Nazamo to esengo po na yeba ke Yesu tanga ko ya ko renye na ozala naye. Amen. Daniel dit, Daniel a lobi, la pierre que tu as vue, Ibanga oyo mona ki se détache, voilà. Oye longwa ki. Ça le secours de Kinme. Ezanga makoki ata na loboko moko. Là Jésus-Christ. Wana Yesu Christ. Personne ne va le pousser. Mota kotindi ka ete. Personne l'a élu. Mota poni ete. Il sort lui-même. Yaza kobima ye moko. Voilà ce que la pierre fait. Tala eloko libanga ezako sa. La pierre arrive. Libanga ezako ya. Elle frappe la statue. C'est ça la bataille d'Armageddon. Ok? La statue frappée disparaît. Et Panzani. Et Daniel dit, Daniel a aucune trace va rester. Après ça, la pierre deviendra la grande. C'est ça maintenant le règne millénaire. Donc le règne millénaire c'est quoi? C'est cette pierre là qui a frappé. Après avoir frappé, vous voyez ça? Frapper, c'est ça la bataille d'Armageddon. Mais après avoir frappé, la pierre devient la grande montagne. J'ai trop la montagne, signifie quoi? C'est-à-dire Dieu, avant de former Adam, il avait fait une montagne. Asalaki ngomba moko. Parce qu'il a tiré Adam comme la montagne. Poussière de la terre. Il souffla. Et Adam, c'était la montagne qui devait dominer dans le jardin d'Eden. Mais malheureusement, il a vécu 930 ans seulement. Il a manqué Adam 70 ans. Pour totaliser 1000 ans, ce que Adam manquait, c'est ce que David a fait. Il est devenu roi de 30 ans. Et il régna 40 ans. Ça fait 70 pour compléter le règne de Adam. Jésus-Christ est né dans la maison de David. Azaki nanda kwa David. Il va revenir qu'il sera le véritable David qui complétera le règne d'Adam. Merci. Je dis ce soir que Dieu n'a pas permis que vous soyez dans l'ignorance, ceux qui vous aiment. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Avant tout, Sambe, la paix t'a libéré, bino, t'a libéré, t'a libéré. Merci, Pasteur Joseph. Nalingina lobabo, kole su Christ apambola biso.